Le direct, l'heure du direct, le dimanche, et oui, le dimanche, c'est le moment pour nous de nous retrouver ensemble pour parler en français et du français, évidemment. Voilà, je vais m'exprimer en français autant que possible, c'est quand même mieux. Pour vous, c'est un bon exercice, évidemment, donc bienvenue à vous, bienvenue sur ce live. L'actualité n'est pas franchement joyeuse. Hein, c'est un peu, on peut dire que ça craint, hein, c'est-à-dire que la situation n'est pas bonne du tout. Et donc voilà, bon, on va essayer de se changer un petit peu les idées avec une petite vidéo, un petit live sur voilà, la langue française. Donc bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Et nous, on va voir évidemment, comme d'habitude, les mots de la semaine, première chose, ensuite un petit jeu que je vous montre ici très brièvement. Allez, je vous montre un peu, si vous avez des, voilà, si vous voulez réfléchir un peu à l'avance, voilà, vous pouvez éventuellement trouver quelques mots déjà. Voilà, donc bonsoir, bienvenue sur ce live, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Donc première chose, voilà, les mots de la semaine, ensuite le petit jeu, et la lecture du Petit Prince qui, ben, qui continue, on ne s'arrête pas, il y a encore, il y a encore pas mal de chapitres à lire, oui, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, donc, mais ça descend, donc on verra bien après, progressivement. Voilà, on va y aller un petit peu à petite dose. Sur le Petit Prince, on va pas aller trop vite pour ne pas évidemment le finir trop vite parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à voir. En attendant, oui, le contexte actuel est un peu difficile. Franchement, ça fait peur quand on voit les nouvelles de voilà. On voit les mots nucléaires, les choses comme ça. Évidemment, la guerre, les choses comme ça, ici, c'est pas rassurant. Surtout que moi, j'habite en Pologne, donc pas extrêmement loin de l'Ukraine, hein, à vol d'oiseau, c'est-à-dire en traçant une ligne droite, il y a quoi, il y a, c'est à 300, 350 km d'où j'habite. Donc, ouais, quand je vois les choses qui se passent là-bas, évidemment, pas rassuré, hein, je vais pas m'en cacher. Bon. En attendant, un peu de français pour se changer les idées. Donc, nous, ce qu'on va voir, on va voir évidemment les mots de la semaine tout de suite. Mais oui. Les mots de la semaine. Et, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? Mais qu'est-ce qu'on avait depuis dimanche dernier? Eh oui, on va regarder ça. Mais attendez, mais j'ai oublié de vous demander comment vous allez? Comment vous sentez-vous? Comment ça va? Tout simplement. Allez-y, écrivez-moi un petit peu en français. C'est l'occasion d'écrire. Allez-y, donc bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Et je vous invite donc, à me répondre, à me dire comment vous vous sentez aujourd'hui, quel est votre état d'esprit, est-ce que vous avez le moral, est-ce que vous êtes démoralisé, donc est-ce que vous êtes voilà, de bonne humeur, de mauvaise humeur, triste, joyeux, joyeuse, écrivez-le ici, petit exercice, allez, je vais vous corriger. N'ayez pas peur de faire des fautes. Si vous faites des fautes, c'est pas grave. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Moi, je trouve que j'apprends plus facilement parfois en faisant des erreurs et me dis ah mais attends mais qu'est-ce que j'ai écrit. Ça aide à mémoriser un peu. Je trouve que parfois faire des erreurs c'est bien. Juste qu'il faut le savoir après. Quand est-ce qu'on les fait, évidemment. Donc allez-y, dites-moi, comment vous sentez-vous? Donc, eh bien voilà, une première réponse, ça va bien. Donc très bien, parfaitement écrit. Ça va bien, avec en plus le C avec la CDI, bravo. Très très bien à toi. Et vous les autres, allez-y, exprimez-vous. N'hésitez pas à m'écrire ici, comment ça va aujourd'hui? Voilà, c'est la question, donc comment ça va aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit? Bonjour Catherine, voilà, heureuse de vous voir, ça fait beaucoup de plaisir. Mais oui, moi aussi je suis content voilà, de pouvoir communiquer avec vous. Mais oui, le live du dimanche est devenu un moment précieux pour moi. Ça me permet de vous parler, d'être voilà, en lien direct avec vous pour voilà, discuter. Donc voilà, un peu le train-train, j'aimerais partir en vacances. Donc, voilà. Des vacances, bah oui, moi aussi j'aimerais bien. M'éloigner un peu de tout ça. Ça ferait pas de mal parfois. Un bon voyage. Bonjour à Officially French également qui est là. Yasser me dit ça va. Mais oui, ça va bien malgré le, voilà, le contexte un peu compliqué.
Mais ça va. Voilà, donc, si tout va bien pour vous, tant mieux. On va voir, nous, les mots de la semaine. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait dernièrement? Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Il y avait une phrase utile qui est « c'est pas faux hein, ». Donc, qui veut dire tout simplement « tu as raison ». Donc, si je dis quelque chose, blablabla, et quelqu'un me dit « oui, c'est pas faux ». Cette personne me confirme que « oui, tu as raison ». La phrase exemple qu'on avait là, je ne sais pas si j'ai déjà dit la dernière fois cette phrase. Ouais, c'est pas grave, on va le refaire. « Pour rester en bonne santé, c'est important de dormir suffisamment. » Ah oui, c'est pas faux. Donc, pour exprimer que « ouais, tu as raison ». C'est pas un « ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi », c'est juste « ouais, ok ». Donc, c'est pas faux, une phrase plutôt familière à mémoriser. Oh, attends, mais je lis aussi vos messages, donc oui, il y a le soleil, c'est bien. Voilà, l'important pour vous, voilà, c'est que ça se passe bien aussi. Évidemment, donc, l'occasion pour vous maintenant de travailler un petit peu le français. L'écoute, très important, hein, l'écoute. Écrire, ça fait partie aussi des méthodes pour bien progresser. Hein, écouter, écrire, déjà avec ça, on est bien. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire et je vais ralentir un petit peu. Parfois, je parle trop vite. J'oublie parfois que je vous parle à vous, mais tout le monde n'a pas un, voilà, n'est pas natif français. Donc, si je parle trop vite, il faut me le dire. Voilà. Ok. On avait fait un petit post spécial avec 13 plats français, 13 spécialités françaises. Ce poste a lamentablement floppé. Hein. Faire un flop, ça veut dire donc bah, ne pas avoir de réussite. Quelque chose qui fait un flop. Donc ce poste-là, ça a été une catastrophe. 13 plats français, on voulait vous présenter vite fait 13 spécialités françaises. Bon, il n'y a eu même pas 200 likes. Bon, c'est pas grave. On a essayé d'innover, vous savez. Parfois, il faut innover, proposer des choses nouvelles pour changer un petit peu de la routine, vous voyez. Là, on s'est dit, ah, on va faire quelque chose avec les spécialités françaises. Vous n'avez pas été très convaincu. Zéro commentaire, même pas 200 likes. Ok, on a essayé, c'est pas grave. par contre, ce qui a très bien marché, alors, très très bien marché, vous étiez très nombreux, très nombreuses à venir faire des commentaires, à mettre un like, c'est sur une expression, enfin, un mot, qui est un péché mignon. Donc, un péché mignon, qu'est-ce que c'est un péché mignon? Eh bien, souvent, donc, c'est un petit, voilà, un petit plaisir coupable qu'on peut s'accorder, parfois, pour se faire plaisir. Souvent, c'est quelque chose à manger, vous voyez. L'exemple que j'avais mis, moi, mon péché mignon, les pains au chocolat. Donc, et je vous posais la question aussi, quel est votre péché mignon? Donc, un petit plaisir, voilà, qui n'est pas forcément bon pour la santé. C'est pour ça que, voilà, c'est un peu, voilà, par exemple, voilà, que je mangeais quelque chose de gras, de très sucré. Pour certains, ça va être une cigarette, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, un péché mignon, donc, c'est souvent alimentaire, un plat qu'on aime bien et qu'on peut manger discrètement parce qu'on a envie de se faire plaisir. Donc voilà, il y a eu beaucoup de réponses. On va lire un petit peu vos réponses par rapport à ce mot du jour, un péché mignon. Beaucoup, beaucoup de likes, 2500 likes, beaucoup de commentaires. Donc les pains au chocolat, et oui. Qu'est-ce qu'il y a? Les fruits, donc nous disait Lucia. Oui, pourquoi pas. Le yaourt, The Psychologist, nous disait également. Le yaourt, c'est bon aussi. Je voulais écrire aussi un péché mignon pour vous en rappeler. Donc voilà, quelque chose qui, un plat souvent, quelque chose d'alimentaire, de souvent sucré ou gras, et quelque chose qu'on aime bien manger, mais qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Bon, donc un péché mignon, voilà, je viens d'écrire. Donc le fromage, dit Sandra, mais le fromage, c'est vrai que pour moi ce serait difficile de vivre sans fromage. Le café, nous dit Andréna, mais oui, le café, le café, ça aussi. Le croissant, nous dit Razone, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tiramisu, par le compte le français que j'aime, mais oui, le tiramisu, c'est... ça peut aussi entrer dans la catégorie des péchés mignons pour moi aussi. Pain au chocolat, tiramisu, le café, ça, beaucoup de péchés mignons. Je suis
Gourmand, ça je vous le dis, hein, je suis gourmand. Pain au chocolat encore, pain au raisin, mais oui, les pains au raisin, les macarons, le chocolat aussi, le fromage, donc le thé aussi. Je vois plusieurs fois le fromage qui revient, c'est quand même souvent quelque chose qui vous plaît, parmi vos péchés mignons. Pour répondre à la question, vous avez un chat? Oui, le chat, il est là, il est juste à côté. Il dort, enfin, il a les yeux ouverts, mais il est dans son carton. Il va probablement nous rejoindre lors du live. C'est comme ça avec Basile, il nous rejoint souvent. Et si je vois beaucoup de gens qui aiment le chocolat, beaucoup de gens qui aiment le chocolat, ouais, c'est normal. Hein. Le chocolat, c'est quand même quelque chose qui fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat d'ailleurs? Je pense que tout le monde aime ça, enfin, j'imagine. Ça me paraîtrait bizarre que des gens n'aiment pas le chocolat, en fait. Vous voyez? Bon. Allez, on va voir maintenant. Il y avait le poste suivant. Parce que, voilà, c'était 5 conseils pour améliorer la prononciation. Alors, c'est des conseils très généraux, hein, que je vous donnais cette semaine. Des conseils très généraux. Alors, le nom de mon chat, c'est Basile. Il devrait se montrer tout à l'heure. Il le fait toujours. Alors, donc. L'un des conseils pour améliorer la prononciation, donc, c'est bien voilà de s'entraîner à parler, évidemment, parler c'est bien, mais il faut travailler l'écoute. L'écoute, c'est très important parce que c'est là que commencent à arriver les informations finalement et les sons. Vous voyez les sons tels qu'ils sont. Les sons français sont parfois spécifiques. La lettre U, la lettre R, les nasales ont en un. Donc ces choses-là, évidemment. C'est bien de travailler l'oreille, donc d'écouter de la musique, par exemple, d'écouter des, voilà, je sais pas, un podcast, par exemple, des choses comme ça. Donc, faire travailler l'oreille, essayer de distinguer les sons. Et pourquoi pas, si vraiment vous avez des grosses difficultés à bien prononcer dans une autre langue. Si, voilà. Il y a des gens qui ont des facilités. Il y a des gens pour qui ils vont tout de suite attraper l'accent et se débrouiller très bien. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est plus difficile. Ça peut être bien de suivre par exemple aussi des cours de musique, essayer de travailler un peu l'oreille pour distinguer les sons et ensuite pouvoir mieux les prononcer. Parce que par exemple, je sais pas, moi, il y a des mots français, c'est difficile. Le mot la serrurerie, par exemple. Une serrure. Vous savez, une serrure, c'est vous avez une porte, vous voulez mettez la clé pour fermer la porte, c'est la serrure là où vous mettez la clé. Une serrurerie, donc c'est là où on vend par exemple des serrures. Et une serrurerie, mais c'est très difficile à prononcer parce que c'est que du R français, vous voyez. C'est très difficile. Mais oui. Donc, entraîner l'oreille, parler aussi, c'est bien pour améliorer la prononciation. Donc, l'écoute, oui, en effet, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième conseil, c'était de répéter des virelangues. Alors, les virelangues, j'adore en faire. D'ailleurs, j'en fais plein pour mes cours, pour les cours que je donne. Je fais mes propres virelangues, donc des phrases difficiles à prononcer. Je pense qu'il y a des personnes qui suivent le live qui, voilà, savent très bien de quoi il s'agit, évidemment. Et des virelangues, donc des phrases très difficiles à prononcer parce que il y a beaucoup de R, par exemple, des nasales, des choses comme ça qui vont compliquer. Et en fait, essayez de les dire d'abord lentement et accélérer progressivement jusqu'à le dire très vite. Ça permet souvent de travailler aussi en même temps bien de les sons et de débloquer les sons qui vous posent des problèmes. Donc une phrase très difficile comme je sais pas moi, un chasseur doit savoir chasser sans son chien. Pour beaucoup de Français en France c'est très difficile. Faut essayer de le dire lentement et ensuite plus vite, plus vite, plus vite, et ça aide à progresser. Donc c'est quelque chose que moi je propose souvent à mes élèves. Allez, voici des phrases difficiles. Je vais te faire souffrir un peu, mais c'est pour ton bien. Ces phrases difficiles, eh bien, elles vont t'aider. Plus tu vas réussir à les dire vite, d'un coup, et plus tu vas débloquer progressivement tes capacités d'écoute et de prononciation. Important. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, donc, c'était d'imiter donc les natifs, donc des gens voilà de nés en France, par exemple. Donc là, pourquoi pas se mettre par exemple sur YouTube et voir des youtubeurs, des youtubeuses français, ou si vous avez des chanteurs, des chanteuses préférées, en
qui chante en français, essaye de répéter, d'imiter une phrase d'une chanson, je ne sais pas quelle chanson vous aimez en français. Essayez de vous dire, je vais essayer d'imiter à la perfection, si possible, cette phrase que j'entends. Donc, il faut bien essayer de doser, hein, s'imaginer que ce qu'on a ici, c'est un peu comme un instrument de musique, hein, finalement. Et on va essayer de l'accorder pour faire le même son qu'on entend. Par exemple, une chanson, voilà, je ne sais pas si vous aimez Édith Piaf, Zaz, je ne sais pas qui, vous voyez, Jacques Brel, Aznavour. Essayez d'imiter juste une phrase, pas toute la chanson, c'est trop difficile, mais juste une phrase, vous voyez, d'une chanson, et essayez de la faire avec le même rythme, avec le. Et ça fait travailler l'oreille, et c'est très bon pour prononcer. Mais oui. Allez, quatrième conseil pour améliorer la prononciation, c'est eh bien parler à voix haute. Donc à voix haute, c'est-à-dire donc ne pas répéter les phrases seulement dans la tête ici, mais essayer de dire ces phrases en français. Par exemple, si vous êtes seul chez vous, il n'y a personne. Vous allez dire, ah, je vais parler en français tout seul, toute seule, et je vais essayer de faire des phrases. Et ce qui est bien, par exemple, c'est de s'enregistrer avec le portable et ensuite d'écouter et de vous dire peut-être avec une petite réflexion, ah, mais peut-être que ça, je peux l'améliorer. Peut-être ça, je peux améliorer le R. Peut-être je dois travailler dessus. Parce que quand on parle, on ne s'entend pas parler directement. Quand on s'enregistre, c'est différent. Là, on se dit, on entend plus facilement les erreurs qu'on peut faire. Vous voyez? Donc, pour améliorer la prononciation, parler à voix haute, mais aussi s'enregistrer, puis écouter, un très bon exercice pour voir, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas améliorer peut-être ça ou ça ou ça? Vous voyez? Mais oui, mais oui, mais oui. Et le cinquième conseil que je vous donnais, c'est évidemment d'avoir un cours adapté à vos besoins, donc des cours privés avec une personne, par exemple, native, hein, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas natifs français qui donnent de très bons cours, hein, pas de problème, pour travailler la prononciation spécifiquement. Et donc, cette dernière proposition n'était pas tout à fait neutre, puisque sur la page suivante, je vous proposais justement que ça tombe bien, moi je vous propose des leçons privées justement. Donc, si vous voulez améliorer notamment votre prononciation, oui, voyez, vous pouvez suivre mon conseil précédent et pourquoi pas suivre un cours avec moi. C'est une proposition. Je ne vous oblige à rien. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est pas difficile, hein. Il y a sur le profil des machins, il y a un lien. Ce lien, c'est un formulaire pour s'inscrire, tout simplement. Ça n'oblige à rien, hein, de remplir le formulaire. Vous n'avez pas à payer tout de suite. Non, non. Juste, c'est un premier contact. Et puis, on peut voir, eh bien, de quoi vous avez vraiment besoin, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et 15 minutes gratuites, hein, je fais 15 minutes gratuites, 15 minutes de découverte. Pour voir eh bien qu'est-ce qu'on peut améliorer. Vous voyez? Non. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, le lien est dans la bio. Et puis inscrivez-vous. Et puis si vous avez envie voilà de continuer, eh bien, on fera des cours. Moi je vous garantis, hein, j'essaie vraiment de faire des choses complètes, la prononciation notamment évidemment, mais aussi un peu de grammaire, de vocabulaire pour monter tous les niveaux. C'est très important, hein, pour progresser. C'est quelque chose, il faut pas négliger ces choses-là. Et justement, moi, je suis là aussi pour, voilà, écouter, peut-être, corriger les petits détails au niveau de votre prononciation. Alors, c'est vrai, voilà, quand quelqu'un disait, voilà, ici, j'ai pas vu le nom, désolé, mais que voilà, quand je m'enregistre, j'aime pas ma voix. C'est vrai que, voilà, quand on s'enregistre, la voix paraît différente, en fait. Vous savez, elle paraît différente, alors que quand on parle, on se dit, ah, j'ai une voix qui est comme ça. Et quand on l'écoute, c'est moi ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est normal. Pour beaucoup de personnes, c'est normal. Quand on s'écoute parler, on se dit, ah, mais ma voix, elle est pas terrible. Mais, en fait, non. Non, non, c'est juste, c'est normal. On est très nombreux à être comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ok, donc ça, c'était pour les 5 conseils pour améliorer votre prononciation en français.
Mais oui. On va continuer avec ce qu'on avait ensuite. On avait une phrase utile, familière, attention, c'était. J'ai mis ça hier, je crois, ou avant-hier. J'ai mis ça vendredi, je crois. Oui. Enfin, je suis fatigué. La phrase, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc, c'est-à-dire, mais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est quoi ce délire? La phrase exemple qu'on avait ici, c'est quoi ce délire? Je viens de voir deux personnes se battre pour une place de parking. C'est absurde. C'est ridicule. Donc c'est quoi ce délire? Ouais, si, je sais pas, si vous arrivez, vous rentrez chez vous et c'est le bazar, dis, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Vraiment, donc une expression familière, une phrase familière, toute prête. C'est quoi ce délire? Bon. Si vous vous êtes face à une situation qui vous choque, vous surprend, vous scandalise aussi en même temps, donc il y a ces. C'est un mélange hein, d'étonnement, de choc, d'être scandalisé un peu. C'est quoi ce délire? Voilà. Donc ici, c'est quoi ce délire? Donc un peu pareil pour la situation internationale actuellement. C'est quoi ce délire là? Vers quoi on se dirige? C'est n'importe quoi. Voilà, la paix pour tous. Arrêtez les conneries avec les armées, tout ça. Ça devient trop dangereux. Voilà, c'est quoi ce délire? Et donc, pour finir les mots du jour, on en a fait beaucoup, il y avait cinq expressions avec le verbe donner aujourd'hui. Mais oui, j'ai mis ça ce matin, vous voyez. Je me suis dit normalement, oh, cette fois-ci, je mets souvent les choses un peu trop tardivement. Aujourd'hui, ça doit être tôt le matin. Allez, 11 h, cinq expressions avec le verbe donner, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ouvrons ceci. On a donc. Le verbe donner, tout simplement donner à la base, c'est un verbe qui a beaucoup d'utilité. Hein, on peut l'utiliser dans plein de contextes différents. Donc à la base, hein, on donne quelque chose à quelqu'un. Donc bah, par exemple, eh bien, je donne un cadeau à un ami, c'est son anniversaire, vous voyez, donc donner. L'action de donner quelque chose. Mais ça ne se limite pas à ça. Hein, il y a d'autres utilisations, on a beaucoup. Et là, il n'y en a que 5. Mais il y en a plein d'autres en fait. Donc, on les verra également. Voilà. Donc on a par exemple donné son accord. Bon, je donne mon accord à quelqu'un pour que cette personne fasse quelque chose. Exemple ici qu'on a, c'est je lui ai donné mon accord pour l'achat de cette console de jeux vidéo. Bon. Quelqu'un me demande, bon, à ton avis, je peux acheter cette console? Je lui dis oui, je te donne mon accord, vas-y, achète-la. Donc, donner son accord, je donne mon accord à quelqu'un. Et des phrases, voilà, avec donner, ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, on a donner faim, FAIM. La faim, vous savez, quand on a envie de manger, vous voyez, donner faim, eh bien, c'est quelque chose qui ouvre l'appétit, en fait. Hein. La phrase exemple qu'on a ici, c'est quand je regarde le menu du restaurant, oh, ça me donne faim. Des bons plats, des bonnes choses à manger, ça ouvre l'appétit, ça donne envie de manger. Vous voyez? Encore, le verbe donner encore une fois, donner envie, notamment. Donc donner faim, donc ça me donne faim. Parler de nourriture, ça me donne faim. J'ai envie de manger quelque chose. ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On avait donné le sourire. Bon, là, c'est assez explicite. Par exemple, cette heureuse nouvelle m'a donné le sourire. J'en avais besoin dans le contexte actuel. Donc, c'est-à-dire faire sourire, donner un sourire à quelqu'un. Voilà, ça donne le sourire. Donc, une nouvelle souvent qui donne le sourire, ça peut être voilà, une bonne nouvelle, un heureux événement qui donne le sourire. Donc, voilà. On en a bien besoin par ces temps-là d'ailleurs. Se donner à fond. Alors ça. C'est limite familier, se donner à fond. Qu'est-ce que ça veut dire se donner à fond? La phrase exemple va vous aider. C'est je dois me donner à fond cette année pour réussir mes examens. Alors, cette phrase-là, ça veut dire que je dois mettre tous mes efforts, je dois mettre toute mon énergie pour réussir. Se donner à fond, c'est vraiment aller vraiment au maximum des choses. Vraiment, je dois me donner à fond, voilà, pour réussir un examen, vous voyez. Je dois me donner à fond
pour progresser en français, voilà, par exemple. Donc, mettre toute son énergie dans un but, voilà, se donner à fond pour souvent donc réussir quelque chose, pour réaliser un projet, pour vous voyez, concrétiser quelque chose, vous voyez. Donc, se donner à fond. À fond, d'ailleurs, est très intéressant, puisque quand on fait les choses à fond, en général, c'est qu'on les fait au maximum. Donc, à mémoriser, c'est notamment aussi très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait, voilà, une dernière expression avec donner. Une fois de plus, c'est donner des cours, ou donner des cours particuliers, notamment, ce qui est justement mon cas. Voilà, j'ai besoin, voilà, c'est la fin du mois, donc j'ai besoin aussi de renouveler un petit peu, de voir de nouveaux élèves. Donc, ici, voilà, j'avais la phrase exemple, je vais donner des cours particuliers ce mois-ci. Ça t'intéresse? Donner des cours particuliers, donc, eh bien, voilà, enseigner, donner des cours, hein, voilà, à quelqu'un, tout simplement. En effet, il nous dit donner un coup de main à quelqu'un, mais oui, ça aussi, c'est une autre expression. Il y en a beaucoup des expressions avec, avec donner. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. Justement, j'en ai pas qui me viennent en tête maintenant, mais il y en a plein. De toute façon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Mais oui. Voilà, ça, c'était les mots de la semaine. On a vu pas mal de choses. Hein. Il y avait notamment donc, les conseils pour améliorer la prononciation. Le péché mignon, la phrase c'est quoi ce délire, et cinq expressions avec le verbe donner. Mais pas mal tout ça. Ok, vous savez ce que ça veut dire. Si on a fini les mots de la semaine, c'est qu'il est l'heure de passer à notre petit jeu. Mais oui, le petit jeu habituel, le petit jeu que vous aimez bien, il faut former des mots en français avec les lettres. Oui. Alors, comme pour la dernière fois, il y aura ici et ici une autre lettre. On va donner le feu vert. D'ailleurs, je vous donne le feu vert. ERT à la fin. Je pensais, voilà, c'est le correcteur automatique qui a changé. Je vous donne le feu vert pour trouver des mots en français avec ces lettres. Donc plus tard, hein, j'ajouterai deux lettres. On va voter ensuite la Loire, et oui, notamment le fleuve de la Loire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez-y. Réfléchissez et écrivez ce que vous trouvez. Le poison. Alors ici, pour rappel, chaque lettre peut être utilisée une seule fois dans chaque mot. C'est-à-dire donc, si poison, il y a deux fois la lettre O, et ici, malheureusement, on n'a qu'un seul O ici. Par contre, une poire, P-O-I-R-E, c'est bon. Ici, c'est un Z, hein, c'est pas un N de travers, non, c'est un Z. C'est la première fois que je mets un Z, je crois, dans le jeu. Après, on peut trouver des mots avec Z, mais oui, il y a plus de possibilités qu'on peut imaginer avec ça. Allez, je vous laisse réfléchir. Moi, je vais essayer aussi de réfléchir pour vous faire deviner des mots. Allez, il faut que je trouve quelque chose. Ah oui, déjà, il y a trouvé le mot zone avec Z. Le nez aussi, bien joué. Vous voyez, il y a des mots avec Z. Et il y a aussi des verbes conjugués, par exemple penser, P-E-N. S-E-Z, vous pensez, vous voyez? Il y a aussi des possibilités avec ce Z. Donc le nez, mais aussi Zen, hein, par exemple. Allez, je vais essayer de trouver un mot. Qu'est-ce que je peux vous faire deviner? Voyons voir. Je regrette de ne pas avoir mis, par exemple, un T, notamment. Ça aurait été bien avec un T. Bon, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Allez, réfléchissons, réfléchissons. Ok, bon, très simple. Pour, on le dit pour refuser quelque chose. Trois lettres, allez. Très, très simple. Allez. Pour refuser quelque chose. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire refuser. Ça se rapporte à la négation. Donc, un mot en trois lettres. Un mot, l'un des plus basiques. Nier, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Bravo à Tina, voilà, qui a trouvé le mot non, N-O-N, tout simplement. Ça y a également Aya aussi, bravo à vous. Lewis également a trouvé. Franzi aussi, bien joué. Donc, non, N-O-N. Elena qui nous a trouvé la Loire, mais aussi la Seine. Donc, les fleuves de France, bien joué. Je pense pas qu'il y en ait d'autres ici.
En tout cas, bien joué. Qu'est-ce qu'on a? La poire, en effet, donc pour les fruits, est-ce qu'il y a d'autres fruits d'ailleurs ici? Une bonne question. Je pense qu'on va devoir très rapidement rajouter des lettres, parce que ça me paraît vraiment difficile cette fois-ci. Hein. Je trouve rien. Réfléchissons, réfléchissons. Et trouvons. Cherchons et trouvons. Voilà, ces deux étapes indispensables. Raisin. Paris. Le pain, PIN, et aussi PAIN. Il faut que je trouve quelque chose à vous faire deviner. Ah, c'est pas facile. Hein. Non, non, c'est pas facile. Vous me trouvez des mots, vous, moi je trouve rien. Oh là là, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, les amis. Je ne trouve rien. Alors, je rappelle la règle. Prochain bac. Ici, en fait, il y a des lettres mélangées. Il faut former des mots en français avec ces lettres. Oh, je vais me remettre un peu mieux. Je vais avoir mal aux jambes si je reste toujours comme ça. Donc, voilà. C'est aussi l'âge, hein, en vieillissant. Il faut, voilà, prendre soin des jambes. Donc, ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, quelqu'un a trouvé zéro, mais oui. Donc il faut former des mots en français avec les lettres. Par exemple, ici, quelqu'un avait trouvé le mot, par exemple, le nez. NEZ. Tout simplement. Donc il faut trouver des mots en français avec ces lettres-là. Un peu plus tard dans le jeu, on va voter pour ajouter une lettre. Donc vous allez décider, voilà, quelle lettre on va ajouter. Une première, puis une deuxième. Parce que là, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je trouve pas grand-chose, moi. J'essaye de vous faire deviner des mots aussi pour voilà, que le jeu soit plus intéressant. Mais bon, si je trouvais rien, c'est pas terrible. Bien sûr. Alors. Ok. Par exemple, Ah, là, c'est vraiment pas simple. Ok, donc entre l'après-midi et la nuit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis pas le nombre de lettres, c'est facile. Allez, entre l'après-midi et la nuit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Quatre lettres. Et on peut même faire une version. Allez, 4 lettres. Entre l'après-midi et la nuit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Bravo à Sagar, en effet. Le soir, mais oui, il y en a trouvé également. Bien joué à vous, le soir. Parfait. Donc ça me laisse maintenant l'occasion de trouver un autre mot que je peux vous faire deviner. En attendant, n'hésitez pas, hein, le temps que moi. Moi, je prends du temps à réfléchir. Donc vous, évidemment, réfléchissez aussi à des mots et n'hésitez pas, voilà, à les noter. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez également trouver ici? Je cherche avec vous. Je cherche avec vous. Désoir, en effet, bien joué. Espoir. Oh, c'est joli. Voilà, gardons de l'espoir. Très bien. Oui, il faut garder espoir, toujours. Que la situation notamment s'améliore. Mais oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut trouver? Bon, bien joué avec le mot panier. Bien joué à Aya. C'est bien joué ça. Très bien joué. Nier également. Sonnerie. Oui, ça m'a l'air bon ça. Bravo, Aroula. Je pense qu'on S-O-2-N-E-R-I. Sonnerie, c'est bon. Une sonnerie. Très bien. Saison, par contre, il va nous manquer, je pense, un S pour faire le mot saison, malheureusement. Mais oui. Rose, eh, bien joué, Rose.
En effet. Allez, je pense que j'ai trouvé quelque chose. C'est voilà. Des plans, très bien. Voilà. Zèbre. Ah, il n'y a pas de B pour faire le zèbre. Par contre, plan, c'est bon. Et oui. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Que je vais essayer de vous faire deviner ce mot. Alors, je sais pas si vous entendez. Il y a un petit bruit. C'est mon chat Basile qui est en train de ronfler. Je sais pas si vous l'entendez. Écoutez bien. Moi je l'entends, je sais pas si vous l'entendez. En tout cas, il ronfle là. Ronfler, c'est. Oui. Donc, je vais essayer de vous faire deviner un mot. Ce mot, c'est une. Comment dire? Mais comment dire ça? Quand on fait des phrases très jolies. Très. Quand on fait des phrases très jolies, qui ont des. On peut s'imaginer de belles images, vous voyez. C'est souvent parfois en alexandrin. Et vous entendez le chat. Basile, tu ronfles. Tu ronfles, on t'entend. Bon, laissons le ronfler, c'est qu'il dort bien. Donc voilà, bravo à Frandi qui a trouvé en effet, j'ai pas très bien expliqué, mais la poésie, voilà, la poésie de faire des jolies phrases avec des belles images qu'on imagine, voilà, la poésie. Très bien à vous, à toutes les personnes qui ont trouvé ce mot, voilà. Mais vraiment, ils ronflent super fort. Bon, voilà, on va faire comme si on n'avait rien entendu, c'est pas grave. Alors, ah, j'en ai un, voilà. C'est un animal qu'on associe très souvent au Père Noël. C'est un animal qu'on ne trouve pas partout. Clairement, non. C'est en cinq lettres, cet animal, qu'on associe généralement au Père Noël. Je vous laisse réfléchir à cela. Le lapin. Ah bah du coup, ça aurait été plutôt qu'on puisse associer à Pâques, donc c'est pas le lapin. C'est pas une oie. Et bravo Eliana. C'est en effet le renne. Roula également l'a trouvé. Le renne, voilà. Donc Chitchat Language l'a trouvé également. Bravo à vous. Le lion aussi, va. Pas pour le Père Noël en particulier, mais par contre, dans les catégories des animaux. Ouais. On a pas mal d'animaux en fait. Hein, si on a une oie, on a donc le renne, on a le lion. Il y avait quoi d'autre? Quelqu'un avait trouvé autre chose. J'ai oublié. Oh. Ah, on l'a pas vu, mais un âne. Mais oui aussi. Si on reste dans les animaux, notamment. Est-ce qu'on a encore autre chose? Il y en avait d'autres. J'ai oublié. Alors, Milly nous dit, je suis un peu en retard, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des lettres mélangées ici. Il faut former des mots en français. Avec les lettres. Voilà. Donc ici, par exemple, eh bien, un renne, RE2NE, ou eh bien le soir, SOIR, voilà. Donc, je vais essayer de vous faire deviner autre chose. Voilà. Par exemple, loin. Effectivement, mais oui. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Je vois pas grand-chose, donc, à mon avis. L'heure est venue, hein, de rajouter. On va rajouter une lettre ici. Ok? On va rajouter une lettre ici. Et ce qu'on va faire, vous allez m'écrire en commentaire quelle lettre je dois ajouter. Marisa a écrit justement le verbe ronfler. Quelqu'un posait la question. Ronfler, voilà, c'est le bruit que fait donc mon chat, Basile, il ronfle. Ronfler, RONFLER. Donc, quelle lettre va-t-on ajouter? Allez, est-ce qu'on ajoute un S, un T, qu'est-ce que, je sais pas moi, un B, un Y? Donc, pour l'instant, j'ai un D, B et G. Ok, je retiens ces trois propositions. Voilà, on arrête là déjà. Allez, C également, mais on arrête. D, B, j'ai oublié ce qu'il y avait. Allez, vous allez voter donc
soit D, B, C ou G. J'écris, voilà, vous devez voter pour une de ces lettres. On ajoute quoi? Un D, un C, un B ou un G? Allez-y, votez. Pour l'instant, le B a un vote pour le B. Allez, donc, un vote pour le G également. Donc, on avait donc D, B, G ou C. Ah, pour le B, ça commence à devenir intéressant. Quelle lettre on ajoute? D, B, G ou C? Allez-y, écrivez, écrivez. Je vois plus de B pour l'instant. Ensuite, le C. Donc, D, B, G ou C. À vous de voter. Continuez. À mon avis, ah, ça s'équilibre. Mais toujours pour l'instant, le B qui domine. Donc, D, B, G ou C. Eh bien, allez, je décide. Oui, on va choisir entre le B. Il y a eu plus de B. Il y a eu plus de B. Hop, j'ajoute donc la lettre B ici. Et j'espère eh bien que ça va nous faciliter la tâche. Faciliter la tâche, donc faciliter le travail littéralement. Voilà, donc la lettre B. Mais j'écris pas joliment, mais c'est un B, hein, c'est pas un 8. C'est un B. Donc allez, voilà, le jeu est relancé maintenant. On a une nouvelle lettre. Lettre bonus. Super. Qu'est-ce qu'on va trouver avec ça? J'espère qu'on va trouver quelque chose quand même. Allez-y, allez-y. Réfléchissez. Oh, par exemple, pour une manière de se laver en quatre lettres, on peut prendre un... Ah, bon, voilà, tout de suite. Tout de suite, c'est trouvé. Bravo. Un bain. B-A-I-N. Bravo. As it works. Très bien. Une partie du corps également. Allez, une partie du corps. Je vous donne un indice. Une partie du corps en quatre lettres. Allez-y, allez-y, une partie du corps en quatre lettres. Ce que vous voyez ici. Je vous laisse deviner. Voilà, vous le trouvez en effet. Le bras. B-R-A-S. À ne pas confondre avec bra en anglais, qui désigne totalement autre chose, le soutien-gorge. Rien à voir. D'ailleurs, c'est un faux ami que j'ai dans un Jack and Jack. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le premier Jack and Jack ou dans le prochain. En tout cas, normalement, cette année, je vais sortir le nouvel album de Jack and Jack, dessiné par mes soins. J'espère que ça va vous plaire, sur les faux amis entre le français et l'anglais. Je pense, j'imagine, pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Un verbe, donc, on doit faire ce verbe pour vivre tout simplement. De l'eau, notamment, qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau? Donc, verbe, voilà, il y a la forme conjuguée ou le matériau, c'est autre chose. Voilà, en effet, boire, mais oui, exactement, boire, B-O-I-R-E. Très bien, bon. Ah, moi, ça va déjà mieux. Une lettre en plus, ça y est, ça... je trouve plus de mots, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Cherchons, cherchons. Vous me trouvez en attendant des mots. Ah oui, Basile. Basile. Bronze, oui, bronze avec le Z, en effet. Bronze, c'est bon. Donc bronze qui est le métal, le bronze. Mais aussi, on peut être bronzé, donc avoir pris de la couleur. Il y a le verbe, justement, bronzé, voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bien joué à vous. Allez. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Snob, en effet, et oui, lapin également. Oh, je trouve plus rien. Ah, j'avais eu un bon moment, mais je voilà, c'est fini. C'est fini, je ne vois plus rien. Bon, balle, oui. Mm-hmm.
Alors, en quatre lettres, c'est un endroit où on fait généralement des expériences scientifiques. Et ce mot est un diminutif d'un mot beaucoup plus long. Donc, un endroit où on fait par exemple des expériences scientifiques, où on utilise des produits chimiques. Et c'est la nouvelle lettre bientôt. Donc, un endroit en quatre lettres, où on fait des expériences scientifiques, par exemple, je le vois ce mot. Déjà, oui, bravo à vous. C'est en effet un labo, qui est le diminutif de laboratoire. En anglais, je crois qu'on dit plutôt lab, il me semble. En français, c'est donc le labo. Donc, je ne sais pas, il y a des scientifiques qui sont dans le labo donc, actuellement, en train de faire des recherches, vous voyez? Donc, le labo. Bravo à vous. Donc, vous avez trouvé. C'est bien. Très, très bien. Bah, continuons alors. Mais continuons, mais oui. Bon. Peut-être que c'est le moment d'ajouter une lettre. En effet, mais oui. Moi, je ne trouve plus rien. J'ai plus d'idée. Ok. On va donc ajouter une lettre ici. Le principe, je vais choisir voilà, les trois premières lettres que vous allez proposer. Donc vous pouvez proposer chacun une lettre, chacune. Et on va garder les trois premières et on va voter. Donc maintenant, quelle lettre je dois ajouter ici? Soyez rapide. Quelle lettre je dois ajouter ici? Quelle lettre vous souhaitez avoir? Donc soit ça va être un D, un T et... La dernière, ah, deux fois le D, donc pour l'instant le D, le T ou le G. Ok, on a nos trois lettres. Ça va être une de ces trois lettres, le D, le T ou le G. Allez-y. Maintenant écrivez. Maintenant, si vous voulez que ce soit un D, écrivez D. Si vous voulez que ce soit T, écrivez T. Si vous voulez que ce soit G, écrivez G. Donc je vois deux G pour l'instant. Donc D, T ou G. Allez, pour l'instant, G domine. Un pour le D. Un pour le T. Trois pour le G. Deux pour le T. Bon, je pense que... Ah, donc 3T et 4G. Bon, allez. Le G gagne. 4G. Voilà, contre 3T. Et je sais plus, c'était un seul D, je crois. Eh oui, c'est la vie, comme on dit. Donc voici le G. Je suis en train de l'ajouter. C'est pas très joli ce que je fais. Donc, oui, ceci est un G. Il n'est pas très beau. Vous avez voté. Donc, vous avez voté. Bah, maintenant, on va voir est-ce que c'est un bon choix. Bah, peut-être que oui. J'espère que oui. Par exemple, allez, un endroit où il y a des trains. J'ai déjà fait la dernière fois, je crois, celui-là en plus. Un endroit, quatre lettres, où on trouve des trains. Allez, c'est facile. Très facile, celui-là. En quatre lettres, un endroit où on trouve beaucoup de trains. Bravo, bravo à Chara, je sais pas comment dire. Désolé. En effet, c'est la gare. Et d'ailleurs, un synonyme de perdu. Vous allez comprendre pourquoi je dis et d'ailleurs. Un synonyme de perdu en français, en cinq lettres. Un synonyme de perdu. On peut dire par exemple, je me suis perdu dans la ville, mais on peut aussi utiliser un autre verbe. Je me suis. Allez, je vous laisse encore réfléchir un peu pour tout le monde. Je commence à voir les choses arriver. C'est le verbe égarer. Je me suis égaré. Eh oui. Égarer. Donc le verbe s'égarer, c'est se perdre, littéralement. Donc, comme quoi, hein, ce mot, ce verbe perdre a un synonyme, donc égarer. J'ai égaré mes clés, par exemple, j'ai perdu mes clés. Donc égaré, je trouve que c'est un petit peu plus formel par rapport à perdre. Perdre, qu'on utilise dans la majorité des cas. Hein. Perdre,
Mais voilà, donc égaré un petit peu plus formel, on va dire un petit peu plus. Voilà, si on veut s'exprimer un peu plus joliment, j'ai égaré mes clés ou j'ai perdu mes clés. Donc il y a aussi le verbe garer, en effet, donc garer la voiture aussi, mais oui, mais oui. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va essayer de trouver quelque chose encore. Bon, c'est bien d'avoir des lettres supplémentaires, mais je ne trouve pas beaucoup plus de mots pour autant. Ah là là là. Ok, donc une couleur. Il y en a sans doute plusieurs. En tout cas, une couleur en quatre lettres. Allez. Une couleur en quatre lettres. Une couleur en quatre lettres. Le son, une couleur sans finalement, mais. Oh, bravo Yacine! Tu as trouvé. Gris, G-R-I-S. Mais il y a d'autres couleurs d'ailleurs. Il y a d'autres couleurs ici. Il y en a, quelqu'un avait trouvé une autre couleur. Donc allez-y, continuez de chercher. Gris, voilà. Donc gris. Ah, j'ai pas oublié. Il y a aussi noir, bien joué, N-O-I-R. Et il y en a encore une autre. Normalement, il y en a encore une autre. Donc on a gris, on a noir, N-O-I-R. Une autre couleur. Allez, allez, je vous laisse réfléchir. Bravo Angela, c'est rose, effectivement, R-O-S-E. Donc rose qui est aussi la fleur, hein, mais c'est aussi la couleur. Ah, orange. Mais bravo, bravo Mustapha. En effet, je n'ai pas du tout pensé à ça. Orange. Orange. Bravo. Très bien, donc. Pas mal de couleurs, oui, finalement. Gris, G-R-I-S. Noir, N-O-I-R. Rose. Orange. Et j'en vois encore une autre. J'en vois une autre. Et on n'a pas le bleu, malheureusement. Non, on n'a pas de U. On n'a pas la lettre U. Par contre, on a une autre couleur en cinq lettres. On en a encore une. Je vous laisse réfléchir. En cinq lettres, une couleur. Ça n'est pas ça. En cinq lettres, une couleur. Bravo à Sylvia. Bravo. Beige. B-E-I-G-E. Super. Très très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dans les pays où il fait très froid? Qu'est-ce qu'on trouve beaucoup? Ah, non, rouge, c'est pas possible. Je vois ce que vous écrivez. Rouge, il n'y a pas la lettre U ici, malheureusement. Ici, ça c'est un N, ça c'est un N. Il n'y a pas de U ici, non. Par contre, on a belge, mais on a aussi belge finalement si on change, si on met un L à la place du I. On a belge. Donc la neige, bravo également. Bien joué à vous. Super. Bon, on a bien avancé là, je trouve. On a très très bien avancé. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de mots à trouver. Je trouve pas grand-chose. Allez, un synonyme de d'un type, d'un mec, de comment dire, un synonyme d'un mec, oui, de quelqu'un, d'une personne, voilà, de sexe masculin, en quatre lettres. Par exemple, lui, c'est un sympa. On peut dire un mec sympa, par exemple. Bravo, Yacine, c'est un gars. G-A-R-S. Donc, par exemple, un gars sympa. Lui, c'est un bon gars. Ouais. Il est gentil, par exemple. Vous voyez? Super. Quand on parle, alors, en quatre lettres, quand on parle de beaucoup de personnes à la fois, d'une grande quantité de personnes, quel est le terme générique pour regrouper
toutes ces personnes en quatre lettres. Quand on parle d'une grande quantité, ou d'une quantité juste, mais indéfinie de personnes, voilà, précisément, une quantité indéfinie de personnes, voilà, Tina a trouvé, des gens, G-E-N-S, bravo. Bon, je vois qu'il est bientôt 18h, donc le jeu va se terminer, mais oui, le jeu va se terminer, ah, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Toutes les bonnes choses ont eu une fin, mais ça reprendra la prochaine fois. Et quelqu'un a trouvé le mot bagnole. Bravo Angela, en effet. B-A-G-N-O-L-E. Oui. Bagnole qui est un mot familier pour qualifier la voiture. Une bagnole. Par exemple, je sais pas. Oh, elle est jolie ta bagnole. Voilà. Elle est jolie ta voiture, littéralement. Voilà. Donc c'est familier, c'est pas très élégant comme mot, parler d'une bagnole. Mais ça fait partie de la langue française, donc, à connaître, évidemment. Parce que vous savez, il y a des mots du langage familier qui vont disparaître très vite, ils sont à la mode, et ils disparaissent, et il y en a d'autres qui restent longtemps. Et le mot bagnole existe depuis longtemps et est toujours utilisé, donc à mémoriser ce terme voilà, familier pour caractériser une voiture, un synonyme de voiture, mais familier, une bagnole. Super, ok, on a donc vu, on va faire un petit bilan, d'ailleurs bilan, faisons un bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui, B-I-L-A-N, on peut faire un bilan, voilà, on a donc vu les mots de la semaine, on a fait le petit exercice, le petit jeu en français, bah oui, la tradition, l'habitude, c'est une habitude maintenant. Et moi, ça me fait toujours plaisir de jouer avec vous, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Au moins, ça vous permet en fait de... Ça vous permet de participer au live, tout simplement. Parce que sinon, qu'est-ce que ce serait le live? Ce serait un mec qui serait en train de parler, là, seul dans son coin. Au moins, voilà, je trouve que ça, c'est bien parce que ça vous fait participer, voilà. Ça vous fait réfléchir, ça vous fait travailler votre français. C'est tout bon, on est dans le concept là, justement, de la chaîne Learn French with les machins. Bon, non, ici c'est le français avec les machins sur Instagram. Je me mélange toujours avec les noms des machins sur les différentes plateformes. Mais voilà, ça vous fait participer, comme ça c'est interactif, vous voyez, je suis pas le seul à blablabla, à parler. Non, vous aussi vous pouvez participer, vous réfléchissez, vous faites travailler votre mémoire, vous, voilà. Comme ça, vous réactivez vos connaissances en français. Et ben, c'est très bien, voilà. En plus, peut-être que vous apprenez des mots en même temps aussi, parce que d'autres proposent des mots que vous ne connaissiez pas, évidemment. Donc, si moi je confirme que c'est bon, bah, allez-y, c'est parfait. Voilà, donc ça, tellement simple, mais tellement bien, quoi. J'ai pas d'autres mots, c'est bien. C'est, ah ben voilà, mais voilà, justement. On n'y était pas encore. Bien, B-I-E-N, voilà, ça. Voilà. Attendez, j'ai cliqué par erreur sur le clavier. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, voilà. J'ai fait un petit accident de parcours. Mais c'est pas grave, voilà. Donc, bien, il y avait ça aussi. Ok. Ce qui veut dire qu'il est l'heure de passer à la lecture du Petit Prince, mais oui, on va continuer, hein, on va continuer les choses comme ça, il faut avancer dans l'histoire, c'est vrai qu'il en reste pas tellement, hein. On a quand même vu pas mal de choses, on a bien avancé, on a très bien avancé, ouais, c'est bien, allez, la lecture, passons maintenant un nouveau chapitre. Donc avant, voilà, le Petit Prince, pour vous résumer là où on était, le Petit Prince, il était donc sur différentes toutes petites planètes, hein, donc avec sur chaque planète des gens assez spécifiques, des gens assez spéciaux, hein, dans leur genre. Il a donc déjà vu 5 planètes et il arrive sur la 6e planète. Eh oui. Alors, qui était une planète 10 fois plus vaste. Ah, donc là, on n'est pas sur les toutes petites planètes, mais déjà sur quelque chose d'un peu plus grand. Ouais. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur,
s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ? » ?»« Je suis géographe, » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ? » ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. » « Ça, c'est bien intéressant, » dit le petit prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Oh, je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Ah !» Le petit prince était déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Et des villes, des fleuves et des déserts ?»« Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe. »« C'est exact, » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Non, le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. « Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait mauvais explorateur. »« C'est possible. » Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. « On va voir ?»« Non, c'est trop compliqué. » »« Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. » »« S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qui leur apporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça ? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince. « Et qu'est-ce que signifie éphémère ?»« Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. »« Mais que signifie éphémère ?» répéta le petit prince,
qui de sa vie n'avait jamais renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Éphémère, ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ?» demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'enfuit, songeant à une fleur. « Voilà pour aujourd'hui, ce sera tout. » Déjà assez tard, aujourd'hui je ne peux pas me permettre de faire durer plus longtemps. Donc on continuera évidemment la prochaine fois la lecture du petit prince, mais oui. Donc là c'était... la 6e planète avec le géographe. Et la 7e planète, ça devient plus sérieux puisque c'est la Terre. Mais oui, la Terre. Ouais, on y arrive. On y arrive. À la planète Terre. Donc le petit prince. Très bonne lecture, évidemment. Ça, pour les enfants, mais pas que pour les enfants, finalement. Si on se laisse soi-même voilà, aller à l'imagination... on peut aussi très bien apprécier, en retirer les petites morales qu'il y a derrière tout ça, les petites critiques cachées de notre société, de notre monde, de l'absurdité des choses telles qu'on peut les faire. Car il faut garder un œil, je pense, l'esprit ouvert sur eh bien tout ce qu'on a laissé derrière nous dans l'enfance, finalement. Il faut rester ouvert à ça et ne pas devenir trop une grande personne. Il faut garder un petit peu une part d'enfant en nous-mêmes. Je pense que c'est important. Pour rester aussi, garder cette capacité, à, je pense, à s'émerveiller des choses simples. Vous voyez. Car dans la vie, vous savez, on accumule par exemple des objets matériels, des choses comme ça, mais on est dans une société de consommation où finalement on accumule des choses et on oublie, voilà, parfois peut-être la beauté de, je sais pas, d'une fleur, par exemple, d'un arbre, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est, je trouve, il y a cet enseignement dans ce livre, Le Petit Prince, finalement, de garder voilà un œil ouvert sur ces choses simples, ces choses de l'enfance aussi, et ne pas devenir trop sérieux. Il faut être sérieux dans la vie, mais il faut garder un petit peu voilà un jardin dans lequel on va cultiver l'imaginaire. C'est ça qui est important, un petit jardin dans l'esprit. voilà, si on peut en retirer quelque chose du Petit Prince. Donc, la lecture continuera la prochaine fois. Et oui, heureusement que le livre du Petit Prince n'est pas éphémère. Heureusement, il restera aussi longtemps que voilà, le genre humain existera. Il y aura toujours le Petit Prince, je pense. Je pense pas que voilà, ce livre disparaîtra. Non. Eh oui. Donc voilà pour aujourd'hui. Hein. Donc ce qu'on a vu, donc les mots de la semaine, le petit jeu et aussi la lecture du Petit Prince. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur la chaîne YouTube des machins, Learn French with les machins. Je vais mettre une story bientôt, ce soir probablement, avec le lien vers la chaîne YouTube. Si vous voulez revoir notamment une partie du live, vous avez raté quelque chose, tout simplement pour réécouter, oui, le lien va être disponible. Je vais essayer de le mettre ce soir, promis. Allez, je vais vraiment essayer. Voilà pour ce live d'aujourd'hui. Que dire de plus? Eh bien, j'espère simplement que pour dimanche prochain, la situation globale va s'améliorer. Parce que là, c'est pas très agréable de voir les choses comme elles évoluent, comme ça, c'est pas bon. Donc, espérons que la prochaine fois, ce sera mieux. Effectivement. Je sais pas, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant me les écrire. Je vais les noter, hein, si vous avez des questions concrètes de français, par exemple, sur un point précis de langue française, vous pouvez le noter, on peut en parler la prochaine fois. Ou si vous avez des questions sur moi, par exemple, qu'est-ce que, voilà, je sais pas si,
Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Je sais pas. Si, je sais pas, j'ai des films préférés, des groupes de musique préférés, ou quoi que ce soit, des pays préférés, eh bien, vous pouvez me poser les questions, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça me fait plaisir aussi de pouvoir un petit peu me présenter un peu plus à vous. D'ailleurs, je pourrais faire ça un jour, un live, mais juste sur des questions-réponses, tout simplement. Voilà. Ça pourrait être sympa à faire. Ouais, pourquoi pas un jour? Pourquoi pas un jour? Donc, si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés hein, sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message, me poser une question, et je la verrai lors du prochain live, par exemple. Mais oui, c'est aussi une possibilité. Voilà. Peut-être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus lors des lives pour renouveler un peu le concept? Bonjour à Rachel qui est nouvelle ici. Mais oui, bienvenue à toi. Malheureusement, le live se termine. Mais bon, il reste encore quelques petites minutes. Je réfléchis, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour voilà une petite activité qui vous fasse participer aussi. L'objectif, c'est de vous faire participer un peu plus. Réfléchis à ça. Peut-être que je vais trouver, peut-être pas. Si je ne trouve pas, c'est pas grave, on va continuer tel qu'on le fait maintenant avec voilà, les petits jeux, un peu de lecture, ça fait toujours du bien. Mais oui, ça fait jamais de mal. Pour vous, c'est bien d'écouter et moi, ça me fait parler. une petite question de Selma. Ben, je vais noter, voilà. Sec et sèche, on verra ça la prochaine fois. Faut pas que j'oublie. Hein. Donc, si j'oublie, tu me le rappelles la prochaine fois. Parce que moi j'oublie les choses. Il y a tellement de choses à faire au quotidien, j'oublie. Donc je prends des notes. Donc vous voyez, j'ai des post-it, des trucs comme ça, donc que je note dessus. Vous voyez, j'en mets un par-ci, un par-là. Après j'oublie que j'en avais mis un là parce que ça tombe et j'oublie les idées. Ah, que c'est compliqué. Il y a tellement de choses à penser, tellement de choses à planifier, vous voyez, à prévoir, aussi trouver des synonymes, à anticiper, vous voyez. Donc, si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Hey, la dernière fois, Jules, je t'avais posé une question, mais tu m'as pas répondu. Donc, faut pas hésiter, évidemment. Alors, pour répondre à la question, vous êtes de quelle ville? Alors, moi, je n'habite pas en France, j'habite dans le sud de la Pologne, en Silésie. Donc voilà, c'est le centre voilà de l'Europe hein, finalement ici. Donc voilà, moi je n'habite pas en France, je n'habite plus en France du moins depuis oh là là, bah oui, ça va faire 10 ans que je suis arrivé ici dans la région. Ouais. Ah, bonne question aussi, le prochain live dimanche prochain 17h normalement, oui. Je pense pas qu'il devrait y avoir autre chose. Non. 17h, heure de Paris. Le prochain live. Et puis, on verra. Comme d'habitude, on va continuer les jeux et la lecture. Voilà. Je mets le live sur YouTube. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour que vous puissiez aller voir ça. Il y aura une story. Si vous souhaitez suivre des cours avec moi en français, j'en parlais. Il y a le lien. Hein, sur le profil des machins, il y a un lien. Sur ce lien, vous cliquez, c'est un formulaire à remplir, hein, c'est un formulaire Google Docs, vous allez dessus, vous remplissez adresse mail, quel est votre niveau, quelle date vous convient le mieux, vous m'envoyez ça, ça n'engage à rien, c'est juste pour faire un premier contact, et puis on voit ensemble eh bien comment on peut améliorer voilà, ton français, voilà, c'est ça l'objectif, donc n'hésitez pas, moi je fais aussi, je donne des cours, particulier, voilà, donner des cours particuliers, c'était parmi les expressions avec le verbe donner aujourd'hui, donner des cours à quelqu'un, donner des cours particuliers, donc à une personne en particulier, vous voyez. Allez, c'est fini pour aujourd'hui les amis, on se retrouve donc dimanche prochain à 17h, évidemment, et j'espère que d'ici là, voilà, la situation sera meilleure, et j'aimerais bien enfin avancer sur des choses, en fait, sur lesquelles je suis très très en retard.
J'espère pouvoir un jour finir une vidéo de préparation au sommeil qui est depuis 2 mois en cours de préparation. Mais quelle honte de ma part, j'ai honte. Je suis tellement en retard, tellement en retard. Je vais essayer d'avancer là-dessus. Allez, à la prochaine fois les amis. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like sur les publications des machins. Ça fait jamais de mal, bien au contraire. Allez, à la prochaine fois. Au revoir.